Good morning. I'm excited of having a great guest today. I welcome Albertine. She's the artist, illustrator, and author who made the annual cover of the 2021 edition of Bologna Children's Book Fair. As tradition, the cover of the annual of the illustrators exhibition in Bologna Children's Book Fair is illustrated, is created by the artist who won the Hans Christian Andersen, or either in another year, the Biennale of Bratislava. So I, as a first thing, I have to say I am really thrilled of having you, Albertine, with us. You won the Hans Christian Andersen Award in 2018. But this great award came after a career rich of recognitions, and you won many important awards before this, like the Prix Sorcière, like in Biennale of Bratislava, and you are authored more than 30 books. You made it with Germano Zullo. Mm-hmm. And we know your books. They were selected by the New York Times among the best illustrated books. And you created masterpieces that are being translated in many, many languages, coming from your original publishing house, that is La Joie de Lire. I was happy to talk also with Francine Boucher, the founder of La Joie de Lire, that from 1987 has created a catalogue with the best authors and illustrators of the world. I remember when your amazing book, Mon Petit, won the Bologna Ragazzi Award. It was 2016, and we were talking about that at the Illustrators Cafe with Francine Boucher. And the book was amazed. The jury is a very special book, but I have to say that all your visual and poetical language is really special and unique. So that's why I thank you for being with us. And I would love to go through a gallery of your favorite images with you and listen about your art and poetic universe. We will have a translation in French when you will speak in your own language, in French. We will have a translation, in English. So I also welcome and thank Stephanie Johnson, our interpreter, for being with us. And what about your new adventures and this recognition of Hans Christian Andersen Award? Your poetical universe is going through different books and different adventures. Would you talk to me about that? Oui, moi je pense que le dessin, c'est mon langage. Et que ce langage, il doit prendre toutes sortes de formes. Ce langage, il est au service d'une histoire. Et chaque histoire est différente. Chaque histoire, chaque livre nous amène à une autre aventure, à une autre exploration. Je vois le travail de poésie ou le travail, mon travail, comme un travail d'exploration constant. In fact, I think that drawing is my language, and as a language, it takes all different forms. It's a language also that uses and needs a story, and every story is, of course, different. Every book is different, and it leads to different adventures, different ways of exploring. And so, in fact, I see my work as sort of a poem, as poetic, which develops all the time. And we see that your work is not only committed, but also full of cultural references. There is a great stroke
That is the sign of your identity, of your storytelling, that can compose very clean images or either very composed and rich images. This sign, this stroke, let's say, it's a tool for thinking. I remember Milton Glaser, who was writing, drawing is thinking. I think I ask you if this is a good definition also for what you do with your stroke, with your pen. Alors, je traduis, oui. Alors, je pense que votre travail est très engagé dans le sens que il y a beaucoup de références culturelles dans votre travail et vous avez un trait magnifique qui est capable d'identifier l'histoire que vous êtes en train de raconter. C'est un trait qui est en même temps très, peut-être très simple, très propre ou très riche avec beaucoup de choses là-dedans. Et je me rappelle aussi que ce qu'a dit Milton Glaser du fait du dessin, qui pour lui, pour Milton Glaser, c'était un outil, le dessin qui faisait penser. Le dessin pour lui était la même chose que penser. Est-ce que ça peut être une définition de votre travail? Oui, alors je trouve que la définition, oui, c'est très beau, c'est très juste. Le dessin fait penser. Le dessin, c'est une pensée. Il y a, je trouve qu'on donne beaucoup d'énergie quand on travaille. Même si on est assis sur une chaise, on déploie un monceau d'énergie, une énergie de concentration, d'être au plus juste. De déraper parfois, de se tromper ou d'avoir l'impression de se tromper. Chaque dessin amène à un autre dessin. Chaque dessin est une évolution. Mais de faire un album, c'est tout à coup concentrer quand même quelque chose, une sorte de perfection, être au plus juste de notre idée. Cette idée, on doit la chérir. On doit la travailler comme un enfant précieux. C'est pour ça que chaque livre est une aventure, mais c'est vrai que le socle, c'est ce besoin d'être au plus juste, quoi. Voilà. In fact, yes, I think that's a very good definition as well. It's a beautiful and very pointed, spot-on definition because drawing, in fact, does make you think. In fact, when you draw and when you're developing a story or a book, you expend an incredible amount of energy, even if you're just sitting in a chair, because it's an energy of concentration. It's an energy of getting things really right, also getting things wrong, going outside what you were doing, getting things wrong or thinking you've got things wrong. But every drawing, every time you work like this, it's a development, it's an evolution. One drawing leads to another. In fact, when you work on a picture book, for example, it's an enormous amount of concentration to get things right. It's an idea that you have to nourish and look after, a bit like a precious child that you look after. And therefore, every book is an adventure. And certainly, it's in the groove of going towards making something that you want to be as good and as perfect as possible. You spoke about the idea of a book, and which is in a way the moment in which a book is born. And we know that your work is also collective. You work with Germano Zullo, who is an author and writer, and together you forehanded incredible books that were awarded, translated, for example, just to mention one, Les Oiseaux, the birds,
and which is an incredible book about when where there is also this feeling of the concentration and also the idea that watching at details is a way to sense the meaningful of life, the meaning of life. And about this work, this collective work, I would like to know how you work with Germano Zullo. I know that the process has different steps. I would like to know more about that because you, at the end, you co-author books that sounds like made from one whole soul. Vous avez parlé de l'idée du livre, la naissance, disons, la première idée de faire un livre. Et on sait évidemment que vous travaillez avec Germano Zullo, qui est un auteur très apprécié, écrivain. Et vous avez ensemble produit des livres vraiment incroyables, Les oiseaux, The Bird, en anglais. Et là, dans les oiseaux, vous avez la sensation de la concentration que vous réussissez à avoir. Cette idée de concentrer sur le détail qui donne un peu le sens, la signification de la vie même. Et je voudrais vous demander comment est-ce que vous travaillez ensemble avec Germano Zullo? Quel est le processus? Parce que on a l'impression que vous faites un livre ensemble, mais c'est un seul auteur qui est le résultat, qui donne le résultat de ce livre. Oui, je vous remercie. C'est très beau et ça me touche beaucoup que vous puissiez di que vous disiez ça parce que. Mais je pense que c'est. Il y a une magie avec Germano. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un quelque chose de complet. Peut-être aussi parce que on se laisse de l'espace. On vit ensemble. On est amoureux. Germano a son travail d'écriture. J'ai mon travail de dessin. Et puis il y a des moments où on a une idée. C'est ou moi qui prends qui a l'idée au départ, ou c'est lui. Et puis on va prendre des notes. Et après on va se faire confiance, c'est-à-dire qu'on va vivre cette idée à notre manière. Et on va se retrouver. Et Germano lui va écrire et il va amener encore un supplément d'âme à cette histoire. Et je pense que Germano, il a ça. C'est-à-dire que c'est un grand auteur qui dit avec peu de mots l'essentiel. Et moi, je m'intéresse à l'essentiel dans mon travail, comment dire les choses au plus fort en mettant le moins de choses possible, en allant à l'essentiel. Peut-être que c'est ça qui nous lie, c'est cette envie de l'épure, hein, d'être au plus simplicié, le plus simple possible. I appreciate very much what you said. It's lovely what you've said. And in fact, yes, I of course work with Germano Zullo, and I think that there's something magic about the way that we work about that we complete each other. I think also it's the fact that we leave each other space. We live together, you know, as man and wife, but we leave each other space. He goes off and writes, and I have and draw and. Then we might have an idea. It might come from him or from me, and then we come together and share notes, and the idea develops, if you like, in a different way. I think that it's something which becomes added. There's a different soul which then gets added to the work. He has a great ability to condense things in just a few words, saying the essential things. And my work also is to try and do with my drawings, compact things into the essential to give something in the cleanest, simplest possible way. And I think that that is what joins us together, this desire to work together to very simply express something. I would like to underline that well, I was wrong in saying the date of Hans Christian Andersen Award. You were awarded in 2020, of course.
And I want to say that the Hans Christian Andersen is this very prestigious award given by the International Board on Books for Young People, IBBY. You were candidated from the Swiss region, of course. And they were in the note, in the press release, they were underlying also another characteristic, I think, of your work. I would like to read what they wrote about your work. They say Albertine creates books with multiple levels of interpretation, with drawings made with infinite precision that are lively and full of humor. I think this is also very important in this essentiality of your book, that humor is there, tenderness is there, truth is there. And I think that human stories are retold with a tender posture, a tender way to look at them. That is why they become so memorable. That's my impression, and I would like to know about you. How did you like this definition by IBBY? And what about the humor in this being essential? What is the role of humor in your essentiality? Tout d'abord, je me suis trompée quand j'ai dit que vous avez gagné le prix Hans Christian Andersen en 2018. C'était bien en 2020, excusez-moi. Et alors, vous avez gagné le prix Hans Christian Andersen, qui est décerné par IBBY et nommé par la région suisse, et qui a souligné le caractère très aimable de votre dessin. Et quand vous avez gagné le prix, on a dit de vous que vous êtes capable de faire des dessins qui ont plusieurs souches, plusieurs niveaux. Et vous désignez aussi avec une grande précision, mais quand même, les dessins sont toujours très vivants et pleins d'humour. Et je pense que c'est vraiment le caractère humoristique qui est très important dans votre dessin, parce qu'il y a une tendresse là-dedans et une vérité qui transpire. Et vous racontez des histoires très humaines et qui sont très mémorables. Et surtout, c'est la question de l'humour qui reste avec le lecteur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition de votre capacité de dessiner, de vos illustrations? Et est-ce que vous nous pouvez parler de l'humour que vous mettez dans vos dessins? C'est très dur de parler de son travail. C'est très, très dur d'en parler parce que, voilà, quand on est dedans, on est exigeant. Je suis quelqu'un de très exigeante. Je peux recommencer 10 fois un dessin quand il ne me convient pas. Mais l'humour, oui, je pense que l'humour est une très grande chose, très importante dans l'existence. Je pense qu'elle est plus forte. Elle peut déplacer des montagnes, cet humour. Cet humour, c'est peut-être ma façon de voir les choses, c'est-à-dire de voir les choses avec un certain détachement ou un pas de côté, je dirais. Je pense pas que je suis quelqu'un qui donne des coups, qui a besoin de dire les choses avec beaucoup de violence, hein, de dénoncer des choses. Les choses que je dénoncerai seront peut-être de manière plus subtile. Elles seraient peut-être plus pas lisibles au premier abord. Et je pense que la légèreté, c'est une chose qu'on ne doit pas oublier de donner, et de donner notamment aux lecteurs et aux enfants. Parce que peut-être que j'ai gardé aussi une grande âme d'enfance. Hein. En tout cas, l'enfance ne m'a pas quittée. Et ça, j'y tiens très fort.
I'm very happy, in fact, to talk about my work because when I work, in fact, I'm very demanding of myself. I can, in fact, start something, a drawing, 10 times until I feel that I'm getting it right. And again, with regard to humor, I think it's very important in life itself, in existence, and it's very important to see things in that way. And it also gives me a certain detachment, a certain distance from things, looking at things from, if you like, a different angle, which is, again, a great asset of humor. I'm not someone who attacks things straight on. I don't attack things in, if you like, in a violent way. If I want to criticize or denounce something, I do so in a much more subtle way that perhaps is not visible at first sight. I believe in keeping that lightness of touch and that lightheartedness to giving it to the reader and especially to the child reader. Also because perhaps I've kept a lot of the child in myself, my own childhood, and it's something that I hold very dear to keep that childishness and in oneself. And of course, it's a huge, huge gift, the possibility of make this lightness visible. And so I would like to invite you in taking us through a gallery of your favorite sketchbooks and images that you chose yourself, and I would be happy to listen about these images. Et c'est un grand don, cette capacité de rendre cette légèreté visible dans les illustrations. Et maintenant, je voudrais vous inviter de nous porter dans votre galerie que vous avez choisi de nous faire voir et de commenter les illustrations que vous avez choisi de nous faire voir. Alors, j'avais envie de vous montrer un travail qui est un travail que je fais à côté de mon monde d'illustration jeunesse. Parce que pour moi, je ne peux pas, je ne suis pas illustratrice, je suis dessinatrice. C'est-à-dire que le dessin prend toute ma vie. Et je ne peux Okay. pas. Voilà. I'd like to take you into something that is not strictly part of my children's publishing illustrations. In fact, because I'm not an illustrator, I'm a drawer. And being a person who draws, this is something that takes up all my life. Et je m'inspire d'énormément de choses. Je regarde beaucoup, je vais regarder d'autres artistes, je vais regarder des images persanes. Je m'entoure d'un univers d'images. In fact, I look a lot. I take inspiration from lots and lots of things. I'm always looking around, looking at other artists, what their images are. I surround myself by images or with images. You also, Albertine, are a drawer of animation movie. I saw the beautiful Eugénie de la Boîte de Ravioli, for example, and it's your poetical universe in animation as the space and the sound to express in a wonderful way. Vous êtes aussi dessinatrice des images animées dans un film d'animation. J'ai vu votre génie de la boîte de ravioli. Vous êtes capable de créer un univers poétique dans l'espace et avec le son. C'est merveilleux. Ça c'est aussi la collaboration avec Claude Barrasse, qui est réalisateur et qui a vraiment réalisé le film en stop motion. Donc là, on travaille vraiment avec des gens ou qui choisissent nos livres pour en faire, pour les adapter, ou alors on est en train, nous, de vouloir faire des films d'animation. Yeah, in fact, there I worked with Claude Barrás, who's a film director, and he directed this in stop motion. So either we work with people who come to us and want to adapt a book, or we try and do something off our own bat. And if you like to go through these images, I would love to know about you. Do you see the image? Vous voyez les images, si on peut les passer? Oui, c'est vous qui les passez. Ah oui. Et si vous voulez commenter?
Oui, Marcella, you've got to put them on yourself because we don't can't control them. Ecco. Sure. C'est des croquis. J'ai des carnets sur moi et je dessine parfois d'observation, parfois juste pour la liberté du trait, juste pour m'amuser avec le dessin. This is a sketch. I mean, I always have my sketchbook with us, and I observe things and do sketches, you know, just to be free to have this ability to do whatever I want. On a beaucoup parlé de plastique ces derniers temps dans la mer, etc. Et j'avais envie de dessiner sur le plastique, en fait. Voilà. We talk a lot about plastic, you know, the fact that it's clogging up the seas, etc. And so I wanted to do something on plastic. Je fais des carnets originaux, comme des livres originaux qui n'ont pas de mots. Parce que je ne suis pas une personne des mots. Je pense que je suis quelqu'un qui parle, qui n'aime pas parler, en fait. Et, In fact, je fais plein de carnets, et je dois les finir dans la journée. Donc, c'est un carnet par jour. Okay, I also do original sketches like this on a sketchbook, so without any words. I'm not a word person. I don't really like speaking. And what I do is I have to fill up a little sketch book per day, one per day. And here we can also see something that is present in your work, that is attention to fashion and to costume. And you have different titles also devoted to this. Also, these books that we were saying, also this Modelli, incredible book with the artworks inside, the tables inside. And so fashion is important for you, right? Yes, très important la fashion. Mais Yes. je ne pense pas la mode en elle-même, mais le plaisir du vêtement. Le plaisir du vêtement chez les autres, hein, et chez moi, bien sûr. Le vêtement, c'est un dialogue avec l'autre. Hein. It's also a way of speaking through colors and shapes, right? I'm sorry. C'est une façon de parler à travers les couleurs et les formes. Voilà, c'est ça. Je pense que les couleurs et les formes ont une importance folle. Et puis, j'observe beaucoup, quoi. Voilà, comme chaque dessinateur, on regarde tout ce qui se passe, hein, et notamment les gens. About fashion, yes, Albertine said she loves fashion, but not fashion for fashion's sake. Clothes, apparel, for me, for other people, and dressing and one's clothes, a way of dialoguing with other people in colors and form. And again, she says, I observe a great deal. As a drawer, I observe things all the time. So, are these again sketchbooks, just sketches? Ce sont les croquis dans votre carnet de notes. C'est ça, c'est ça. Le carnet, ça permet de pas de faire des expériences. C'est ça qui est important, c'est de faire des expériences graphiques, de These... trouver des nouvelles façons de dessiner. In fact, these sketchbooks are important for me because they allow me to experiment and find new ways of drawing things. Voilà, Sorry. par exemple. Ça c'est bon. ça, c'était une idée d'affiche pour mon exposition dans un très beau musée, le musée Forel. Et j'avais envie de faire une affiche qui représente des personnages dans un musée. And this is an idea for a poster of an exhibition of mine in a very famous museum, Forel. And I wanted to have a poster that looked at people actually in an exhibition, watching an exhibition. Mais je dirais que je m'intéresse à l'humain.
C'est ça qui me pousse au travail, en fait. C'est l'état d'être humain, d'être des personnes, hein, des individus, dans ce qu'ils peuvent exprimer dans leur corps. Hein. C'est pour ça que je suis sensible au théâtre, à la danse, aux vêtements, parce que tout ça revient à l'expression de l'humain. In fact, what interests me is the image, and of course, what pushes me in my work is, looking at the human being, at people, individuals, and how they express themselves through their body language. And that's why I'm also very interested in things like theatre, dance, and also the clothes that people wear, because it's all human expression, the way that human beings express themselves. Ouais, des croquis de vêtements. There's no sketches of apparel. Je joue au styliste, mais je ne suis pas styliste. I play it being a stylist, but of course I'm not a fashion stylist. Voilà encore un carnet. Albertine, and have you ever had the idea of collaborating with these fashion designers or fashion brand? Vous avez Oui. déjà eu. Oui, j'ai fait des habits, j'ai fait des vêtements avec des couturières et j'ai fait un défilé de mode. Yeah, Ooh, et I also had a fashion parade, a fashion show. I did collaborate with a fashion je n'ai pas person. montré dans les images. And where can we see something about this? I am very interested in this because, Albertine, I work at the University of Bologna. My teaching is history and cultures of childhood, and I teach in a course of fashion. And so I'm very interested in the crossing dimensions of publishing, children's publishing and fashions world. And is there a place where we can see your work in collaboration with the designer? Est-ce qu'on peut voir donc, quelque part votre travail avec le couturier? Parce que moi, je travaille à l'Université de Bologne et j'enseigne l'histoire de la culture de l'enfant, de l'édition pour enfants, mais aussi dans un cours de mode. Et je suis vraiment intéressée au dialogue entre la mode et la publication pour les enfants. Est-ce qu'il y a quelque part où on peut voir Il y a, oui, je peux envoyer une vidéo. Une vidéo et puis j'ai les photos des danseuses hein, parce que j'ai demandé à des danseurs de défiler. Je voulais pas un défilé fashion classique ou très sérieux. Je voulais un défilé joyeux. Rempli de. Voilà, comme je. Voilà, j'avais envie que ça représente mon univers, voilà. Yeah, I can show you a video and I've got some photos. They were dancers because I didn't want the typical serious catwalk fashion show. I wanted something really joyful, something that, if you like, represented me and my world. That is very interesting. Thank you. And for our audience of Bologna Children's Book Fair, is there a place in the web where they can find something about this work of yours? Or they will wait and maybe we will write something about that? Est-ce qu'il y a un site web où le public peut trouver votre vêtement, votre croquis pour la mode, ou est-ce qu'on peut-être faire un article chez nous à la foire sur le mode que vous avez créé? Oui, ben je peux vous envoyer. J'ai des photos sur mon site internet. C'est parfait. Pour Mais l'audience de la Bologna Children's Book pour la Bologne, la Bolognette, ben moi Fair. je vous envoie le film, je vous envoie toutes les images, je C'est vous super. Ça, c'est super. Merci. You can find things on my website, says Albertine, but also I can Okay. send the BCBF photos and the film. Great. So let's go on this beautiful. Oh, this reminds me. Well, many times when we look at your drawings, also names like Saul Steinberg
came to our, of course, visual memory. And the stroke works a little bit like he's like with the empty spaces and the black stroke having this tension. Et quand on voit vos images, on pense à Saul Steinberg, dans la mémoire visuelle et le fait des espaces qui sont très vides et le trait noir qui désigne tout. On a la sensation de voir ce type de trait. Oui, alors Saul Steinberg, c'est un grand. Pour moi, c'est un grand dessinateur et il a cette fougue du dessin. C'est quelqu'un qui dessine constamment. Le dessin fait partie de lui. Tout est dessin avec lui. Et puis, il explore des univers différents. C'est chaque fois nouveau. Et ça me plaît beaucoup. Oui. Yes, he's certainly a great artist. And again, he's one of those complete drawers. He's always drawing. Drawing is his world. That is his universe. And that's what I love about him. He's a truly great artist. Cette image s'appelle Un ange passe. This is called An Angel Passes. Et puis, j'avais fait un travail autour de la mort avec pour un ami auteur qui s'appelle Guy Poitry. Et j'avais envie de faire un univers un peu étrange, voilà, habité de. Un peu boche, hein, habité de drôles de personnages. This is the angel passing, or the angel who passes, and it was a job. It was a work on death that I did for an animator called Guy Poitry, and I wanted to create this rather strange, sort of almost Bosch-like universe. C'est un travail autour. En fait, voilà, je m'intéresse à la nature et je m'intéresse au jardin et comment les gens vivent leur jardin, comment le jardin devient un territoire, ou comment le territoire devient un jardin pour quelqu'un. This is, I'm very interested in nature and in gardens and how people live their gardens. You know, that the garden becomes their territory, a territory becomes a garden. Je dessine peu d'animaux, mais parfois je me lance un défi. Et le défi, c'était le singe. Okay, I don't draw many animals, but sometimes I do sort of give myself a challenge, and of course this challenge here was a monkey. So you have many of these artist Vous books. avez beaucoup de ces carnets Oh, d'artistes? beaucoup, énormément, oui. J'en ai, je ne sais pas combien, mais oui, beaucoup, beaucoup. Une grande boîte. I have a huge box, lots and lots. Sounds fantastic. They are precious. C'est une série. Oui, je travaille en série. Donc, je me donne un thème et je travaille la série. Et pour moi, c'est très important l'idée de la série parce que ça me permet d'explorer jusqu'au bout une thématique, d'aller au plus profond dans ce projet-là. Et puis après, je l'abandonne. Pour moi, c'est fini. Donc, j'y ai comme ça 10, 15 images différentes, mais sur le même thème. Et ce thème-là, ça s'appelle le lac. C'est aussi un thème qui m'est cher parce que je m'intéresse à la solitude et au rapport de l'homme seul sur un territoire, que ce soit le jardin, ou le lac. Qu'est-ce qu'on est quand on est seul? Et c'est un thème qui m'est très cher. This is something
As an artist, I do things in series. I work on a theme and I work through it as a series to explore it thoroughly, to really get into it and under its skin, as it were, the project. And then I abandon it. I say do 10, 15 images, drawings, and then I leave the theme or the subject alone. This is called The Lake, and it's a theme that I'm very fond of indeed, because I'm interested in solitude, being alone, and man's relationship in solitude with things like the territory, with the lake, and that's something that I love as a subject matter. This is the same series, right? C'est la même Voilà, série. exactement. There is also something metaphysical in your drawings. And this we can I think we can recognize it also in many different illustrations. Now in this one is more evident, of course. Ah oui. C'est très métaphysique, Oui. on le reconnaît, et surtout dans cette image ici. Oui. J'avais envie de travailler autour de Gulliver et j'ai fait toute une série autour de ce personnage endormi. Parfois seul, mais parfois aussi avec des êtres particuliers qui viennent sur lui et qui l'entourent. I wanted to do again another series on Gulliver, and here he is sleeping. I did him alone, also with the very strange sort of creatures that come up to him. You mentioned before you're interested in the human, and I think it's so interesting also what you do with bodies representations, because bodies in your drawings have always the right of being exactly how they are. These are not bodies that are made abstract, made perfect, but they are always imperfect and soft and alive, and they are tender. They are like it happens with children. They feel the right of being there. I think this is very strong. One of the layers that IBBY was underlying, I think it could be a discourse on the body, right of being free, being real, not perfect. I don't know if, what do you think about that? Vous avez dit, on a dit que vous intéressez très à l'humain, à l'être humain, et on voit ça surtout dans votre représentation du corps. Hein, et ce que vous prenez du corps, c'est exactement l'aspect très juste, c'est parfait comme corps. Il ne s'agit pas de quelque chose d'abstrait, de quelque chose de parfait. Vos corps, vos êtres humains sont toujours très tendres, très vivants aussi, et un peu comme un enfant. Hein, ils sont toujours dans le moment juste, ils sont toujours, ils ont le droit d'être, et c'est parfait. Et peut-être ça, c'est un des choses, la signification des couches dont on a parlé, le commentaire dont vous avez dessiné le prix. C'est une capacité de dessiner le corps réel et pas parfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Et je dirais même plus que mon dessin, il n'est pas parfait. C'est-à-dire que mon dessin est faux. J'ai un ami qui m'a dit, l'anatomie est fausse, ton dessin est faux anatomiquement, mais il est juste. Et In j'aime fact, beaucoup ça. I fully agree. In fact, my drawings as such are not perfect. In fact, they're not, they're false, they're fake, if you like. A friend of mine said, you know, you've got the anatomy wrong, etc. But he said they're just right. I'm sorry. Wait.
Ça s'appelle Candy Box. I think, excuse me, I think it changed, but okay, this is fine. If you want, or I can go. Okay, this was the next, I will go back. Encore un carnet, mais un big book. Il est grand, c'est un grand carnet. J'ai voulu faire exprimer des soirées, des fêtes, des parties. Et tout le livre, c'est ça. C'est des soirées avec des personnages un peu improbables. Okay, this is a big sketchbook, and it's on the subject of parties. You know, people at parties, really oddball people at parties. It's a sort of evening out of all types. This is a mash ball. Ce qui est important pour moi, c'est d'aller vite. C'est que je ne m'attarde pas. Le temps est trop court. Donc, je dessine tout le temps et je fais le moins de croquis possible. C'est-à-dire que le dessin doit être sûr. Il doit être ce qu'il doit être, voilà, au moment où il est, voilà. I do things very quickly because life is short, there's no time, and so I want to get my drawings completely right. I don't do lots of sort of preliminary sketches. I want to get it right first off, and that's why I draw all the time. I want to have something which is there already and right. It's an incredible gift that can let you do this. C'est un don exceptionnel que vous permet de faire ça, quoi. We go to the next. Aussi la question de la nature dans une boîte, comme dans un musée. Je m'intéresse beaucoup au musée et au rapport de l'œuvre et du public. Et cette relation en mouvement de la personne qui déambule et qui regarde des choses dans un espace. En fait, l'espace m'intéresse, l'espace de déambulation. In fact, this is, I'm very interested in nature, and this is the idea of nature in a box. Goes back to the idea of the museum, because I'm very interested in the museum and the relationship and the resonance of the work and the public watching. I also am very interested in this space of walking around, the area in which a visitor walks around. The whole idea of space is something which fascinates me. Encore un jardin, encore un jardin. Another garden. Peut-être ce qu'il y a aussi d'important dans le travail, c'est en effet la relation à la nature et au jardin, et aussi à la maison, au territoire. C'est une question qui me taraude et qui est proche parce que moi j'ai besoin d'un territoire pour travailler. Again, this is, I think, very important in my work, this idea of the relationship with the nature in the garden, nature in the house, also because I myself need a space, I need a so-called territory to be able to work. Oui, je peux faire des croquis à l'extérieur, je peux trouver des idées à l'extérieur, souvent on les trouve à l'extérieur de chez soi, mais je dois être dans un atelier, je dois être chez moi, avec le silence pour travailler. J'ai besoin de mes repères. So I can go out and do sketches and get ideas from outside, you know, where I live. But when I actually work, I have to be in my studio. I have to be quiet among my things to be able to really develop things. I need that space. And do you live close to Genève? Vous avez été tout près de... Oui, oui, j'habite à 20 km de Genève, dans la campagne. I live in the country, 20 kilometers from Geneva. I have to say that it's also very beautiful to be in your atelier, because I see artworks on your back. So is there any new project coming? C'est très, très intéressant parce qu'on est dans votre atelier, on entrevoit les choses. Est-ce qu'il y a les choses en préparation qu'on voit? Oui, bien sûr, bien sûr. Toujours. Toujours, we go to the next image. Wings. Wings are
Wings are present in your lightness of being description. Les elfes font partie de la légèreté que vous transmettez dans vos dessins. J'ai pas grand chose à dire, voilà, c'est oui, voilà, je pense que j'aime l'idée de la légèreté et de la fantaisie, mais je crois que c'est quelque chose qui me lie à mon enfance. Et Et donc, pardon. j'aimerais être une grande personne avec une. J'aimerais pouvoir être une grande personne sans la lourdeur des grandes personnes. I don't really have a lot to say, but certainly this sort of lightheartedness, this lightness is, and this fantasy is something that I carry forward from my childhood, which is really what I want to keep. And I'd like to be a grown-up, as it were, but without that heaviness and without that solemnity that adults have. And we talked about the picture book as a collective work, and we talked about Germano Zullo and your work together just a little bit. I want to mention a book I personally love. It's a wordless book, and it's Les Rumeurs de Venise. And you also won, you were awarded also for this book. And there is Venice, there is Italy, but there is a wonderful wordless discourse about imagination and about stories that being retold become other stories, as it happened in fairy tales, for example. And now I would like to ask you about the collaboration with La Joie de Lire, because when a great artist and drawer and great authors meet a publishing house, then the project can develop in years and book after book. And you published almost 30 books, I think, with the Francine Boucher. And that is a real publishing house. It's a real publisher, someone with an idea herself. So how does it work, your work with Francine Boucher et La Joie de Lire? On a parlé de l'album qui est une œuvre, disons, collective entre vous et Germano Zullo. Et je voudrais aussi mentionner un livre qui m'est très très cher. C'est La Rumeur de Venise qui a évidemment gagné des prix. C'est un livre sans mots où vous abordez la question de l'imagination, des histoires que sont racontées, encore une fois, qui porte à d'autres histoires. Et pour moi, c'est un livre vraiment merveilleux sur l'imagination, la fantaisie. Et puis, je voudrais passer à votre collaboration avec La Joie de Lire. Hein. Quand un grand auteur et une grande dessinatrice rencontrent une maison d'édition comme La Joie de Lire, on a vraiment une carrière de plusieurs années ensemble. Avec les deux grands. Vous avez publié à peu près 30 livres avec La Joie de Lire et c'est une maison d'édition qui, avec Francine Boucher, qui a une idée très précise de ce qu'elle veut publier. Est-ce que vous pouvez parler de votre travail avec Francine, avec La Joie de Lire? Alors, Francine, c'est une rencontre une grande rencontre. Je pense que il faut avoir une grande rencontre avec un éditeur. C'est très important parce que ça nous permet de grandir. On voit grandir la maison et on grandit aussi avec cette maison. Et ça s'appelle la fiducia, la fidélité. La fidélité, c'est très important parce que voilà, voilà, vous êtes dans son catalogue. Elle prend vos livres, vous pouvez en discuter avec elle. Elle sait où vous allez. Il y a un rapport de confiance.
Vous évoluez, elle voit l'évolution. Il y a aussi Pascal Rosier, graphiste, Christelle, qui est aussi graphiste. Et tous ensemble, on fait le livre. Il n'y a pas, il n'y a, il y a un lien avec le livre parce qu'on aime le livre et qu'on a envie qu'il soit le plus beau possible. Donc, Francine n'éditera jamais un livre moche. Elle n'éditera jamais un livre mal fichu ou qu'elle ne portera pas de ses mains. Et ça, c'est très important. I think, well, Francine is of course a great publisher, and a meeting with a great publisher like that, I think, is very, very important for an artist, for a writer, because you develop yourselves, you help also the publishing house to develop, and there's also the question of trust and of loyalty to together and to the publishing house. I mean, with Francine, she will develop her catalogue, discussing things with you. She understands where you're going. She sees, she has confidence, and she sees also where you're going. And the same sort of close work together we have with Pascal Rosier and with Cristal, who are the graphic layout people. And the whole book is always done together because everybody focuses in on that book, loves that book, and wants it to come out. And Francine is somebody who never does an only average book. She never does something that she doesn't really think is going to come out really well. It's not part of her. And we know la joie de lire. We meet your book also during other meetings devoted to awards. I was mentioning before when you won the Bologna Ragazzi Award for fiction in 2016 with Mon Petit. And it's a very moving book. I know that it's a poor adjective to say, but it's real the truth. When I look at it again and again, to me, it's really moving because it contains in the body of the book, it contains the mystery of life and of relationship. And it's also a book that you can look from the end to the beginning. So it's a sort of a magic, perfect object. I really want to say that because I also coming from the cove, you mentioned Pascal and the group that works to the graphic in La Joie de Lire. It's not common to see books made with this incredible, incredible effort and also talent in graphic and also a great idea. The collective idea, the collective project that you were describing, I think we as a reader, we can really see it. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. Il y a ce travail collectif avec Pascal qui trouve des idées, Pascal la graphiste, moi qui viens avec d'autres idées, on travaille en commun, je vais avec elle, je suis à côté d'elle quand on choisit une couverture. Et puis elle a tout le temps, on est dans cette collaboration et c'est vrai que l'objet est toujours, il est beau et mon tout petit, c'est eux qui ont eu l'idée du boîtier, de la boîte. Et cette idée est magnifique parce que c'est un écrin qui contient ce mystère de la transmission. C'est juste ce qu'il fallait pour ce livre. I quite agree. It is a collective, what you were saying about the fact that it's the collective job that you do with La Joie de Lire, and again with the graphic layout artist Pascal. This is something that we developed. I brought my ideas, she had her ideas. I work close next to her, and it's a collaboration. And the object that comes out is something that we have all developed with Tout Petit, which is my little one. It was her idea to have that box for the cover, because it's a sort of container of everything that book contains, and this idea of looking at life. So it's a perfect book cover. And so before saying goodbye, I would like to ask you something about the cover you made for the Illustrators Annual 2021. So if you agree, I would share it on screen
so we can look at it together. Si on peut regarder ce que vous avez fait pour l'album, le catalogue de l'exhibition des illustrations, je le fais voir. Voilà. And so I also take the chance to say that as every year, the author of the cover of the annual of illustrators will have a solo exhibition in the fair. So in this case, as we are in the online edition, you will find it in the galleries of exhibitions, you will find a solo exhibition by Albertine. This I say for the audience, of course. And what was your idea? And especially, I would like to know, Albertine, also, what is for you Bologna Children's Book Fair? Qu'est-ce que c'est pour moi? Oui. Oui, bah, c'est un énorme bateau. It's a huge, great boat. What? Voilà, c'est en tout cas, j'espère profondément qu'on puisse se voir pour de vrai, qu'on puisse se retrouver tous. Ça, Aussi. c'est un grand espoir. We really hope that we can meet in person. That's my really big hope. And what was your idea for the cover annual? Were you thinking about the variety, I guess, because here I see variety, diversity, and hands and heads, and also costumes and bodies at work. But I would like to hear from you. L'idée de base pour cette illustration, pour l'exposition, le catalogue de l'exposition, quelle était votre idée de base? Parce que je vois beaucoup de variétés, de diversité, des têtes, des costumes. Oui, j'avais envie d'un monde en marche. J'avais envie d'un monde en marche avec des personnages différents, une sorte de procession, une forme de mascarade, mais quelque chose qui va dans le sens d'un mouvement. Pour moi, c'était très important parce que le mouvement fait partie de mon travail tout le temps. Et puis, il y a des personnages qui nous regardent et qui nous questionnent. Alors, je dirais qu'il ne faut pas arrêter de penser, de réfléchir, d'avoir un avis propre et de rester les pieds debout et d'être bien, bien en mouvement, tous ensemble, pas séparés, tous ensemble. C'est important. Yeah, what I wanted to get across was this idea of a world going forward. And we have lots of people, lots of different characters who are completely different. There's also this idea again of going forward, of the profession, of a procession, of a masquerade almost. Always this idea of movement. Movement is very much part of my work. And also you have some people that are actually looking at the observer, at the reader, asking things. And I think that's very important. Important. We must never stop reflecting. We must never stop having our own opinion, keeping our feet firmly on the ground, but we're walking forward and doing it together. That's very important, the idea of doing it together. So I want to thank you. I think we remained with the many wonderful suggestions of this meeting, and also some wonderful images, of course, but also some words. Movement is one of these, essentiality is another one. And I think there is a dialectic among your poetic, in your poetic, among essentiality and a richness of forms and colors. And as a reader, as a visitor in your images and books, I feel taken into a perfect spot that is between that essence, that art, and the richness of forms and the movement and the diversity that there is in the world. So, as it happens, your work as a great artist and drawer
make us see something that otherwise we could not see. So I want to thank you for that. Je vous remercie. On voit beaucoup de choses dans votre travail qui est tellement plein d'essentialité, de richesse, de formes, de couleurs, qui reflètent, si vous voulez, la différence et l'essence de la vie dans les formes, dans le mouvement. Et c'est vraiment le travail d'une très grande artiste, une très grande dessinatrice. On voit dans vos illustrations, dans vos dessins, vraiment se révéler le monde entier. Et je vous remercie vraiment d'être comme nous. Avec nous. And I will we will look forward watching your exhibition in the Bologna Children's Book Fair website and of course of seeing you in person and well, our best to Francine Boucher and all the group of Le Joie de Lire and a special ciao for Germano Zullo that we look forward to meet him. Too, and it was such an honor having some time with you today, Albertine. Thank you. Grazie, grazie mille. Okay.